chiamo Franco Tagliente. Mon nom est Franco Tagliente. Depuis plus de 40 ans, je m'occupe de marketing et de développement organisationnel pour des entreprises à but lucratif ou non lucratif. Au cours de mes années d'université, j'ai compris que le marketing n'est pas cette discipline que beaucoup considèrent comme un moyen pour augmenter les ventes des entreprises ou inciter les gens à acheter. Le marketing est une discipline à l'écoute des gens pour comprendre leurs besoins réels et non pas leurs désirs. En effet, entre les deux, la différence est grande. À l'aide de cet objet, j'essaierai maintenant de vous faire une petite démonstration qui vous aidera à le comprendre tout de suite à travers une image en mouvement. Comprenderlo subito attraverso un'immagine in movimento. Voilà, si j'interviens de la sorte sur cet objet, qui pourrait représenter métaphoriquement une action de marketing, en le heurtant de cette façon, il retourne en arrière presque immédiatement. Quand mes actions visent à satisfaire de simples désirs, le résultat est de courte durée. Si au contraire, j'agis correctement, les résultats seront sans aucun retour en arrière et à long terme. J'ai adopté la bonne démarche en agissant sur les besoins qui sont enfouis au plus profond de nous. Ces besoins qui comptent vraiment et que j'ai examinés pour transmettre aux gens une idée de l'économie qui n'est destinée ni à augmenter la consommation, ni à pousser les personnes à faire ce que, dans le fond, elles ne désirent pas. Je me suis occupé d'une économie durable, c'est-à-dire une économie qui fait en sorte que les entreprises parviennent à devenir indépendantes économiquement tout en respectant le milieu social et l'environnement. Voici l'objectif principal de mes interventions dans le projet Migraventure, l'éducation à la durabilité économique, sociale, environnementale sera une aide précieuse pour les générations futures, à commencer par nos enfants et petits-enfants. L'objectif de cette leçon vidéo sur le marketing est de fournir une brève description de cette discipline et de ses applications. Nous approfondirons les apports essentiels de la matière, ceux qui nous permettront de comprendre ce qu'est le marché et comment identifier les besoins du client, élément essentiel dans le succès de l'entreprise. Nous analyserons les raisons qui poussent les personnes à choisir un produit. Nous étudierons quelles stratégies mettre en œuvre sur le marché à travers le marketing mix le plus adapté afin d'établir un plan de marketing. Avant de commencer, il est important de faire deux remarques. Dans le cadre du module, nous ferons allusion à l'idée de glocal, sous-entendu global, parce que tout marché virtuel est global, mais à action locale, avec pour objectif le bien-être de la communauté où il opère. La seconde remarque est que le matériel que nous présentons dans ce module n'est qu'un simple point de départ pour stimuler la curiosité et les connaissances. Pour en savoir davantage, nous vous invitons donc à consulter et à télécharger le manuel « Faire des affaires » sur le site OIM Italie www.italie.iom.int. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Commençons par nous demander à quoi sert le marketing. Étudier le marketing est important parce que ça nous permet de connaître le marché où nous opérons, d'augmenter les ventes et le chiffre d'affaires, de se faire connaître aux consommateurs et accroître notre renommée, en anglais « brand reputation », et surtout de connaître nos clients et leurs besoins. Faire du marketing ne signifie pas vendre, mais écouter et comprendre les besoins de l'autre. En tant que futur entrepreneur, ton désir sera que ton entreprise ait du succès
et vendent le produit ou le service au client intéressé. Dans ce cours, nous te donnerons les éléments clés pour élaborer une bonne stratégie de marketing pour ton entreprise. Avec le marketing, nous nous demandons comment satisfaire notre clientèle d'une part et comment améliorer sensiblement la qualité de vie des consommateurs d'autre part. Une communauté qui vit bien est une communauté qui dispose de pouvoir d'achat. Par conséquent, c'est dans ton intérêt d'entrepreneur de tout mettre en œuvre pour transformer la communauté où tu vis en un terrain fertile et riche. Certains modèles d'entreprises occidentales, qui ont eu pour conséquence l'appauvrissement du tissu social où elles intervenaient, ont fait faillite. De nos jours, un entrepreneur ou une entrepreneuse doit penser à soutenir la communauté où il intervient et en favoriser le bien-être. Avant d'affronter l'idée de marketing, à proprement parler, nous te proposons une notion plus ample du marché et des personnes qui y cohabitent. Le thème marketing vient de l'anglais market, marché. Dans le marché physique ou virtuel qu'il soit, de nombreux acteurs vivent, travaillent et entrent en relation. Sa prospérité dépend de l'équilibre entre les parties. Analysons maintenant le milieu dans lequel tu devras travailler. Comme nous pouvons voir dans ce schéma, dans le micro-environnement autour de l'entreprise, il y a les acteurs avec lesquels les échanges sont plus directs et fréquents. Tout d'abord, nous avons les clients, puis les fournisseurs à qui nous achetons un service ou un produit stratégique pour notre entreprise. À côté de ça, il y a les concurrents et enfin les intermédiaires, tels que les grossistes ou les revendeurs, qui peuvent jouer un rôle clé dans votre réseau de distribution. Dans le macro-environnement, il y a l'interaction de plusieurs systèmes, autrement dit de facteurs qui influencent aussi bien le marché à long terme que le futur développement de notre entreprise. Il est important de connaître certains de ces systèmes pour pouvoir choisir les bonnes stratégies à adopter. Voyons-les ensemble. En premier lieu, considérons le système économique qui comprend les facteurs qui vont influencer le pouvoir d'achat et les habitudes des consommateurs. En connaître les caractéristiques nous permet de comprendre comment vivent les personnes, si elles ont un mode de vie simple de subsistance ou si au contraire, elles ont tendance à dépenser pour l'achat de services sophistiqués. Viennent ensuite le système démographique qui nous informe sur la croissance démographique de la population. Le système physique qui concerne l'ensemble des ressources naturelles et environnementales disponibles. Le système technologique qui permet de comprendre si un milieu change rapidement ou pas. L'important réseau de promotion pour les entreprises gérées grâce à l'arrivée d'Internet représente une grande opportunité. Une autre macro-dimension importante est celle du système politique et législatif ouvert aux entreprises qui va soit promouvoir des lois qui favorisent le marché ou au contraire peu favorables à son développement. Les tendances sociopolitiques peuvent influencer le marché de façon positive si des conditions stables laissent prévoir une croissance économique, négativement si une instabilité politique provoque une baisse du pouvoir d'achat de la population. Et pour finir, le système culturel de référence, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs de base qui vont influencer les choix d'achat d'une communauté. Le milieu et ses ressources, proches ou distantes qu'elles soient, constituent l'humus qui permettra à ton entreprise de se développer et de prospérer. Il est indispensable donc de ne pas perdre de vue ces aspects-là. Le marketing, en tant que système, va naître dans les années 50 aux États-Unis. Mais en réalité, depuis que les personnes ont commencé à échanger des biens, nous avons fait usage de techniques de marketing. Philip Kotler, père du marketing moderne, le définit ainsi.
un processus social grâce auquel les individus et les groupes obtiennent ce dont ils ont besoin à travers le développement, l'offre et l'échange de produits et de services de valeur. Cette définition présente un élément central du marketing. L'échange de biens et de services doit correspondre à un besoin et doit mener à une stratégie win-win où le producteur, tout comme le consommateur, sortira gagnant. C'est pour cette raison qu'on parle aujourd'hui de prosommateur. Ce terme dérive de l'union de deux mots, producteur et consommateur, et évoque le fait qu'aujourd'hui les consommateurs jouent un rôle actif. Ils sont plus conscients des choix de consommation, mais surtout, ils participent toujours davantage à la production. Un bon exemple est celui du secteur des énergies renouvelables. Les consommateurs qui utilisent les panneaux photovoltaïques pour la production d'énergie électrique produisent et consomment à la fois. Pour qu'une entreprise puisse échanger des biens et des services, elle doit être en mesure d'identifier le bon client, pour lequel créer une valeur ajoutée et se différencier de la concurrence. Nous abordons ainsi un sujet essentiel, la finalité du marketing. C'est-à-dire connaître les besoins de nos clients et comprendre comment les satisfaire au mieux. Évidemment, pour créer une valeur ajoutée, il faudra chercher des informations sur le marché de référence et sur les personnes qui le côtoient, sur nos éventuels concurrents ou partenaires. Nous y parviendrons, mais tout d'abord, commençons par voir de plus près nos clients. Examinons leurs besoins et leurs désirs. Partons donc du point essentiel, la centralité du client, c'est-à-dire le sujet qui permettra à notre entreprise de se développer. Comment connaître nos clients et leurs besoins? Première question banale, quels sont les besoins des personnes? Pour répondre à cela, Abraham Maslow, psychologue américain, fit une analyse des personnes, de leurs besoins et de leurs motivations. Le résultat fut sa célèbre pyramide qui permit de théoriser une hiérarchie des besoins. Cette hiérarchie varie selon les cultures et les paramètres individuels. Elle reste toutefois un important modèle de référence pour comprendre les besoins de l'être humain. À la base de la pyramide, nous trouvons les besoins primaires, physiologiques, liés à l'instinct de survie, comme se nourrir, s'habiller, ainsi que ceux concernant la sécurité physique, de l'emploi, de la famille, de la santé, de la propriété. Viennent ensuite les besoins psychologiques, comme par exemple les relations intimes, l'amitié, la confiance en soi, le respect. Enfin, nous trouvons le besoin de réalisation de soi, c'est-à-dire un épanouissement personnel comme les activités de talent littéraire, créatif et artistique. N'oublions pas qu'aux besoins correspondent des désirs. Le marketing travaille sur les désirs qui sous-entendent un besoin duquel notre client lui-même n'est pas toujours pleinement conscient. Chacun de nos clients possède une hiérarchie personnelle de besoins, qui correspondra en grande partie aux besoins décrits par Maslow. Comment produire une valeur ajoutée pour nos clients? En recherchant, examinant et analysant le résultat de nos idées. Certes, il est important qu'un homme ou une femme d'affaires croie en ses propres idées, mais tout en restant à l'écoute des clients, des sociétés spécialisées, des conseillers, des médias et des analyses de marché. C'est justement l'analyse de marché que nous allons aborder maintenant. Dans ce chapitre consacré à l'analyse du marché, nous verrons quelles sont les démarches à suivre pour connaître les tendances et les demandes du marché. Les sources d'informations sont nombreuses.
La première pourrait être les recherches du marché. Pour tout secteur de référence, automobile, agricole, de la mode ou de l'artisanat, il existe des sociétés de marché qui se chargent d'analyser les besoins des clients à l'aide de questionnaires, interviews en direct, programmes de fidélité ou travaux de groupe. Les données recueillies sont soit mises à disposition du public gratuitement, comme celle de l'Istat en Italie, soit rassemblées dans des databases payantes. La recherche en ligne est un bon moyen pour avoir des informations générales sur les besoins du marché. Il ne faut pas oublier cependant qu'une bonne partie des recherches en ligne concerne les résultats effectués sur des échantillons occidentaux qui ne sont pas toujours représentatifs des marchés des pays en voie de développement. Le focus group est une méthodologie de recherche intéressante. Elle s'adresse à un groupe de personnes sélectionnées ou pas sur la base de critères précis. Durant un focus group, on enquête sur le besoin qu'un groupe de personnes peut éprouver vis-à-vis d'un objet, d'une technologie, d'un produit ou d'un service particulier. L'écoute active et le bouche à oreille fonctionnent bien si nous sommes enclins à écouter les personnes qui nous entourent. C'est un excellent exercice que d'être à l'écoute et observer attentivement les personnes dans leur espace vital. Comment elles s'habillent, ce qu'elles mangent, ce qu'elles désirent, ce sont là des points de départ précis pour formuler des idées afin de satisfaire leurs besoins. L'écoute active et le bouche à oreille auront l'avantage de t'aider à connaître les besoins des consommateurs. De nos jours, les réseaux sociaux, grâce à des forums de secteur, nous permettent d'étudier et connaître les besoins locaux de grandes surfaces géographiques. À l'aide de ces moyens, nous allons mettre au point un produit spécifique pour un marché de référence à distance de milliers de kilomètres. Une autre source d'information est sans doute l'analyse des concurrents ou competitors. Lorsqu'on veut connaître les besoins d'un marché, il est très important de savoir ce que font les autres pour satisfaire les besoins de clients, ce qu'ils offrent. Quels avantages et quel prix pour ton segment de référence? Dans ce cas aussi, tu pourras avoir recours à une recherche sur Internet ou encore tirer profit de ta présence sur place ou bien obtenir des informations directement, soit à travers les réseaux sociaux, soit par ton groupe de référence. Recueillir et conserver des données mises à jour sur la présence et la valeur de tes concurrents est une bonne stratégie. Sans ces informations, tu ne parviendras jamais à offrir une valeur maximale à tes clients qui, ne l'oublions pas, sont l'élément clé de ton succès. À travers la segmentation du marché, il est possible d'identifier les groupes de consommateurs, autrement dit les segments auxquels destiner notre offre. Ces derniers peuvent être classés selon différents paramètres, l'âge, le revenu, la provenance géographique, l'appartenance sociale, l'éducation. Cette répartition nous permet de choisir quel segment cibler, en anglais « targeting » et par conséquent, quelle stratégie de marketing adopter. Il faut souligner que bon nombre des segments que nous allons découvrir semblent avoir les mêmes exigences sur un marché global où les besoins locaux vont laisser la place aux besoins socio-psychologiques globaux. Cette tendance s'explique en raison de la portée des réseaux sociaux globaux où les variantes de désirs locaux assument une portée globale. Voyons ensemble les stratégies de marketing liées à la segmentation. La première stratégie est celle du marketing mixte, qu'on applique généralement à un marché de masse où l'on trouve peu de segmentation. Le client utilise le produit ou le service en question, quel que soit son segment d'appartenance. Ce type d'approche est caractéristique des biens de consommation courante, par exemple le Coca-Cola,
qui a une recette unique pour tout le marché global. Le marché de masse est une stratégie à utiliser quand le produit demande peu d'adaptation au fil du temps. Et si tu es sûr d'être fortement compétitif et de pouvoir communiquer avec peu de messages clés, du moment que le besoin du bien en question mise sur des valeurs universelles. La seconde stratégie est celle du marketing diversifié, grâce auquel on établit un choix de plusieurs targets de marché importants pour l'entreprise en développant pour chaque segment le marketing le plus adapté. Dans ce cas, la diversification du produit est essentielle et elle doit correspondre aux attentes précises du target de référence. Un bon exemple est sans aucun doute celui des entreprises automobiles qui produisent des véhicules différents selon les catégories de consommateurs et les différents targets. Véhicules utilitaires, minivans, fourgons et voitures haut de gamme. N'oublions pas toutefois que le marketing diversifié prévoit souvent des coûts élevés dus à la différenciation du produit, à son innovation et à la communication différenciée indispensable pour tout segment concerné. Enfin, avec le marketing concentré, on vise à toucher un seul segment de marché. L'entreprise se spécialise sur un produit précis et concentre ses stratégies de communication et de distribution sur un seul segment. Le marketing concentré peut être satisfaisant si l'entreprise parvient à comprendre les exigences manifestées, mais risqué au cas où on effectue un choix de spécialisation non correspondant à l'objectif ou encore si les prévisions des tendances d'achat du segment ne sont pas réalisées. Un exemple positif de stratégie de concentration de segment est celui de l'entreprise Lamborghini, qui produit des voitures de luxe pour un segment particulier d'acheteurs. Nous avons identifié ainsi les principales stratégies de marketing pour atteindre le marché cible. Nous allons maintenant nous occuper d'un aspect clé du marketing, c'est-à-dire comment définir ce que l'on appelle le marketing mix. Le modèle de marketing mix, théorisé par Jérôme McCarthy dans les années 60, identifie quatre leviers principaux, connus aussi comme les 4 P du marketing, qui doivent être employés ensemble pour atteindre les objectifs du marché potentiel, c'est-à-dire les segments qui ont été identifiés précédemment. Aujourd'hui, on parle même d'un cinquième P, People. Que représentent les 5 P? Product ou produit, price ou prix, place ou place, c'est-à-dire les moyens de distribution, promotion ou promotion, people ou personne. Le levier du produit concerne tout ce qui est en rapport avec le produit et le service à offrir au client. Dans ce domaine, nous trouvons la planification, l'innovation et le packaging, c'est-à-dire la présentation du produit ou du service la plus adaptée à la clientèle. Le second P est celui du prix. La politique de choix du prix est épineuse. Il faudra identifier une valeur qui corresponde à ton objectif et qui puisse rivaliser avec les offres identiques de la concurrence sans toutefois dévaloriser ton produit. Le troisième P, de place, concerne les moyens de distribution qui seront adoptés pour atteindre l'objectif. Ces moyens varieront selon le produit ou le service. Exemple. Si ton entreprise est spécialisée dans la vente de bicyclettes, il te faudra une devanture accessible au public à utiliser comme point de vente. Le choix des moyens de distribution peut varier aussi en fonction des habitudes de consommation du segment sélectionné. Certains consommateurs préfèrent acheter dans des lieux physiques, comme les magasins ou les marchés. D'autres choisissent plus volontiers des espaces virtuels, tels que Amazon ou Alibaba. En l'occurrence, figurer dans ces vitrines peut,
non seulement faciliter la vente aux consommateurs, mais permettre aussi une grande ouverture vers une nouvelle clientèle. Le dernier P est celui de la promotion, c'est-à-dire l'ensemble des activités organisatives, innovantes et économiques, utiles au lancement de ton produit ou service sur le marché. On peut opter pour plusieurs moyens et médias, tels que le bouche-à-oreille des clients fidélisés, les campagnes de radiodiffusion, de télévision, de presse et d'affichage, en les associant aux potentialités qu'offrent de nos jours les médias tels que le marketing des réseaux sociaux, la publicité mobile, le direct mailing, pour ne citer que quelques exemples. Aux 4 P d'origine, s'est ajouté le 5e P de people, c'est-à-dire personne. Comme déjà mentionné, le rôle actif du client aujourd'hui constitue un levier fondamental de la stratégie d'entreprise. Les clients font partie intégrante de notre succès et une communication directe avec eux est nécessaire. Pensons par exemple à ce que l'on appelle le lead nurturing, qui permet l'envoi de communications personnalisées à un éventuel client afin de l'informer et le former sur vos services et votre entreprise en le rendant partie intégrante de votre réussite. Comment réaliser un bon mix d'éléments pour atteindre notre objectif? On n'est pas toujours, dès le départ, en possession de tous les éléments. Souvent, les leviers se renforcent lors du lancement du produit sur le marché, comme cela arrive pour certaines grandes entreprises avant qu'elles ne trouvent leur juste équilibre. Le marketing mix ainsi que les analyses de marché que nous avons examinées sont des éléments essentiels pour élaborer notre plan de marketing. Avant de prendre congé, je voudrais récapituler les idées clés du marketing. L'objectif du marketing est d'identifier les besoins des clients afin de satisfaire au mieux la demande du marché. Les désirs des clients correspondent à leurs besoins. Pour les connaître, on peut faire appel à différents moyens de recherche. Il existe 3 types de stratégies de marketing : indifférenciées, différenciées et concentrées. Le choix de la stratégie dépend des caractéristiques du bien ou du service offert. Avant toute chose, pour préparer un bon plan de marketing, répondre aux 5 P du marketing mix. Aujourd'hui, grâce aux nouveaux moyens de communication, tels que les réseaux sociaux, on peut penser global en agissant local.